السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On a terminé avec التنوين. Aujourd'hui, inshallah, nous allons faire الشدة. الشدة, c'est quoi? C'est un petit 3 au-dessus de la lettre. Et ça fait un doublement de lettres. Ça veut dire, par exemple, ici, la شدة. 2D. Pour appuyer sur la lettre. De dire da. La شدة. D'accord? Donc, Shadda, on va la faire aujourd'hui avec Al-Fatha, Al-Damma et Al-Kassa. Donc, on reprend notre Ba. Ba. Et si on veut rajouter Shadda avec Al-Fatha, ça va faire Ba. Donc, ici, on a le B. On a dit, c'est un doublement de lettres. Donc, on va rajouter un deuxième B et le A. Donc, il est là, le deuxième B qui veut dire Shadda. Et le A, c'est Al-Fatha. Donc, on fait avec Dhamma. Le petit 3 allongé et Dhamma, ça fait un beau. On va dire notre B, il est là. Shadda, donc ça veut dire on rajoute un deuxième B et Dhamma, on a dit que c'est le son OU. Bou, bou. On fait maintenant avec Al-Kassara. Notre petit 3 allongé. Alors, le kasra, normalement, elle est mise ici, en dessous de la lettre. Cette écriture, elle est correcte. On peut écrire aussi, comme ça, le petit 3 allongé et en dessous de la shadda. Et ça fait aussi bi. Donc, notre B, le deuxième B qui est doublé parce qu'on a la shadda et le son I parce qu'on a kassa. Bi, bi, ba, bou, bi. On va le faire avec ta. On a dit notre shadda en rouge, notre petit 3 allongé et al-fatha en vert. Ta. Donc, notre T. Un deuxième T pour faire le doublement de la lettre, la shadda. Et le son A pour faire al-fatha. Ça fait ta. Avec Dhamma. Donc ta, la lettre ta. Shadda. Et Dhamma. Donc T. La deuxième T. Pour faire, pour marquer la shadda. Et le son ou pour Adama. Et ça fait tout. Avec le kasra maintenant. La lettre ta. Notre shadda. Le petit 3 allongé. Au-dessus de la lettre. Ensuite, on a la kasra en dessous de la lettre. Ou alors, la deuxième écriture, on peut la mettre en dessous de la shadda. Et c'est exactement la même chose, c'est ti. Donc, on fait notre lettre T, la
la deuxième T pour marquer le doublement de la lettre et le son I pour Al-Kasra. Et ça fait TI. Donc on relit ensemble. Ba, bou, bi. Ta, tu, ti. Comme ici on a dit da. 2DA. Da. La chat da. D'accord? Alors, pour la prononciation, c'est très lourd pour faire avec toutes les lettres. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire des phrases, puisque maintenant, vous savez lire. Alors, j'efface et j'écris mes phrases. Donc, j'ai écrit mes phrases. Bismillah, on va commencer la lecture. Ta, fatha, ta. Shin, damma, shu. Mim, shadda, damma, mu. Ta, shum, mu. Alif, damma, o. Mim. Vous voyez ici, kasra, je l'ai mise en dessous de la lettre. Donc, mi, om, mi. Et là, il y a la prolongation. Vous voyez, ici, il n'y a pas d'accent. Donc, ça veut dire que c'est une prolongation. Je l'ai mise en vert. Donc, om, mi, mim, elle a non seulement la prolongation, et on lui rajoute ashadda, ça fait mi, om, mi, zah, ra, ten, zay, fatha, za, ha, sukun, h, ra, fatha, ra, ta, fatha, ten, on a dit tenwin, ten. Alors, tanwin, ce qu'on a appris, normalement, c'est avec alif. D'accord? Sauf que ici, elle est fermée, ta. Elle est fermée, du coup, elle n'a pas d'alif. On met directement les deux fatha dessus. Alors, tashummu, ummi, zahratan. Ummi, ça veut dire maman. Zahratan, une fleur. Maman, sans une fleur. Alif, damma, ou ha, kasra, hi, ba, shadda, damma, bu, ou hibbu, jim, fatha, ja, del, shadda, fatha, da, comme ici, ta, kasra, ya, ici il y a. Il n'a pas d'accent, ça veut dire que c'est une prolongation. Donc, ti, ja, da, ti, ja, da, ti. Ohebo, j'aime, ja, da, ti, ma grand-mère. Donc, j'aime ma grand-mère. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Tu vas écrire, alors sur le livre, il y a toutes les lettres. De Elif jusqu'à Ya. Tu pourras lire si tu veux. Et ensuite, tu vas écrire tout ça sur page 75. Donc, toi, ce que tu vas recopier, c'est tout le tableau ici. C'est pas que ce que j'ai fait, Ba et Ta. Ensuite, tu t'entraînes jusqu'à ce que tu arrives à écrire sans regarder, comme on a dit. Et tu écris sur page 76. Ces phrases, elles sont sur page 77. Il vous reste encore une autre phrase. Tal'abul bintu ma'a qittatiha. Donc, ils sont là, les images. Tashummu ummi zahratan. C'est ça. Uhibbu jaddati. C'est celle-là. Et tal'abul bintu ma'a qittatiha. C'est celle-là. D'accord? Alors, moi, je te dis à tout de suite pour les exercices, page 79. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. Astaghfirullah wa salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.